Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à compléter des divisions sans les poser explicitement. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause, et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. Donc on nous dit complète les colonnes sans poser les divisions. Alors la chose à savoir c'est que dans une division, le dividende, on va mettre le tableau un petit peu plus sur la droite, le dividende c'est égal au diviseur fois le quotient, plus le reste. Donc ici, concrètement, qu'est-ce que ça donne dans notre cas 1 Eh bien, ça nous donne 15 fois 30, plus 7. Donc 15 fois 30, ça fait 450, plus 7, ça fait 457. Donc ici, dans le cas 1, on a 457. Dans le cas 2, on va appliquer la même logique, on va multiplier le diviseur par le quotient et additionner le reste. Ça nous donne donc 40 fois 25 plus 11. 40 fois 25, ça nous donne 40 fois 25, ça fait 1000. Plus 11, ça fait tout simplement 1011. Donc ici, on a 1011. Ensuite, le cas 3, on va rencontrer un petit problème puisqu'on n'a pas le dividende. Alors, c'est pas un très très gros problème. Simplement, il faut ad adapter un petit peu notre méthode. Comme on sait que le dividende, c'est égal au diviseur fois le quotient plus le reste, eh bien, ici, on va tout simplement faire le diviseur fois le quotient. Ça, ça ne change pas. Donc, 45, 45 fois 10. Donc, 45 fois 10, ça fait 450. Et donc, ce résultat que l'on obtient, eh bien, on va le soustraire à notre dividende. Donc, 400. 56 moins 450, ça nous fait 6. Et on sait que notre reste, il est donc de 6. Vous voyez, la logique, c'est que le dividende moins le diviseur multiplié par le quotient, eh bien, ça nous donne le reste. Et finalement, c'est logique puisque dans une division, le reste, c'est précisément ce qu'il nous reste lorsqu'on ne peut plus trouver de, de multiples pour simplifier davantage notre, notre division. Enfin, le cas 4, on a un dividende de 907, il nous manque le diviseur et on sait qu'on a un quotient de 15 et un reste de 7. Alors ici, comme on a un reste de 7, on sait que on doit trouver un multiple non pas de 907, mais de 900 moins le reste, c'est-à-dire 900 moins 7. Donc finalement, on doit trouver un multiple de 900 à partir de notre quotient qui est 15. Donc trouver un multiple de 900 à partir de notre quotient qui est 15, c'est un petit peu difficile. Ce que l'on peut faire, c'est réduire 900 en 90 et voir si on peut trouver un multiple de 90 à partir de 15. Et donc là c'est assez simple, puisque par exemple 2 x 15 ça fait 30. Ensuite 3 fois 15, 45, 60, 75 et 90. Donc 6 x 15 ça fait 90. On multiplie 90 par 10. Donc on multiplie également de l'autre côté par 10. Et donc notre diviseur, ça va être 10 fois 6. Autrement dit, 60. Donc vous voyez, pour retrouver comme ça les éléments manquants d'une division, vous pouvez utiliser des astuces comme ça, consistant par exemple à diviser par 10 votre dividende pour trouver quelque chose qui soit un petit peu plus simple à calculer de tête. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.